Des adolescents qui ont l'habitude de faire, qui ont l'habitude de s'amuser, parce que ce qu'ils font, c'est la période à laquelle ils reviennent à la terre. Ils reviennent maintenant à l'âge. Maintenant, prendre des selfies au champ aussi. Vous voyez, aujourd'hui, pour ces autres personnes-là, ils sont en train de faire là-bas la cuisine. Ils font le bon petit caca, ils vont partager ça. Oui, ils vont partager ça en groupe. Ça va créer une certaine dynamique. Et je crois que c'est ça aujourd'hui qu'il faut changer. Au lieu de faire du thé dans les quartiers sous l'ombre, on préfère venir le faire ici au champ. Alors que le travail n'est pas aussi pénible que ça. Parce qu'on a labouré pour eux. Donc, juste semer à la volée, c'est pas trop difficile. On leur donne l'engrais, on leur donne le visite. Et à la fin, ils viennent récolter. Ceux qui vont récolter, ils vont l'utiliser et le mettre dans la caisse. Et là, aujourd'hui, ils ont atteint deux objectifs. C'est qu'ils sont dans la production, ils vont évoluer à travers l'activité de nos fermes de classe. Il y a quelques années, contrairement à les jeunes parlaient plutôt d'emploi dans le milieu. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de révolution. Et est-ce que vous le constatez vous-même ici? Oui, c'est effectivement une révolution qu'il y a aujourd'hui. En tout cas, partant de Kérou, nous on l'appelle cette révolution agricole. Et cette révolution-là, c'est qu'aujourd'hui, nous voulons que le sol gagne sur le sous-sol. Je ne sais pas si vous voulez un peu comprendre l'idée. J'ai repris votre... Je disais hier, là, je crois que c'était à l'occasion, c'est le journaliste qui me posait la question. J'ai dit, comme le président du CRJ a dit, c'est la victoire du sol sur le sous-sol. Le sous-sol. Voilà, tout très bien. Et cette victoire du sol sur le sous-sol, forcément, va passer par là. Aujourd'hui, il faut qu'on parvienne à sortir des lingots d'or à travers cette activité agricole. Les gens vont se départir un peu de l'activité. Et vous, les jeunes, il n'y a plus de complexe. À l'époque, on disait des paysans, tout ça. Mais aujourd'hui, on dirait que vous êtes très fiers des paysans, entrepreneurs agricoles. C'est vrai, ça? Ça ne vous gêne pas d'être dans la modernité en même temps dans les champs? Parmi eux, il y aura des jeunes filles qui seront intéressées par la transformation. D'autres vont être intéressées par la commercialisation. Ces gens-là maintenant, qui sont partis de ce départ-là, ils ont souffert. Là, ils vont être en train de se faire. Ils ont comprendre à partir de là. Lui, valeur. Lui, guérin. À partir de là maintenant, on pourra maintenant créer ce grand cadre. Aujourd'hui, l'objectif, il faut que nous puissions vivre. Vous allez à Saréa, c'est la même chose. Vous allez à Saréa, c'est la même dynamique. C'est la même dynamique. Maintenant, ce qui doit peut-être changer, c'est les spéculations qu'on est en train de faire dans chaque pays. Et aussi les superficies en blanc. Mais président, le Nahuatl. Nahuatl, quand on parle de Nahuatl, c'est la compétition. Mais là, je ne vois pas de ballon. Comment ça va se passer? Oui. Le Nahuatl, ce n'est pas la compétition. Parce que quand on dit Nahuatl, beaucoup croient que c'est le ballon. Ce Nahuatl, c'est une période. C'est un moment. C'est un temps mort. Durant les activités. Par exemple, qu'est-ce qui a amené ça à l'inhabitant? C'est une période à laquelle les jeunes ne sont plus à l'école, ils sont en période de pause, et on a créé des... C'est un inhabitant agricole. Bel et bien, c'est des compétitions. Mais c'est des compétitions entre les communes d'abord. C'est des compétitions entre les associations d'abord. Aujourd'hui, ces gens-là sont carrément dans les inhabitants, mais portés par le conseil communal de la jeune équipe. Nit dafa am responsabilité nit da nga wara xam li nga doon dama képp ku dee kidu képp ku xiif suma responsabilité lay engagé ñun ñëpp suñu responsabilité ku xeb boppam doo xam la relation entre yow ak li xew noonu mais ce que nous vivons ce que nous sommes en Afrique dañu am tous une part de responsabilité. Ni di diriger melni man ak ño xamni ño nek ku nek am lool kon yeen su dé yeen ngi bay sen waar
honnêtement, comme cela, je dis franchement chapeau. Quoi. Et je sais qu'on a un petit salaire, on a un petit chais. Nous avons gagné d'ailleurs, tu sais mieux. Parce que vous avez tout pour me dire non, je ne m'occupe que de ma famille, que de ma personne. Vous avez vraiment tout et toutes les raisons pour fonctionner comme ça. Mais c'est un sacrifice, son don de soi. Et je sais aussi chez moi comment ça se passe en Afrique, particulièrement chez moi ici. Ce que vous êtes en train de faire, parfois même vous êtes incompris, parfois même combattu, parfois jamais soutenu. Mais le conseil, moi, Efren Senouar, Baylenko et Bernabas, ce sera donc le tour à d'autres. Mais au moins, au moment de passer le témoin à d'autres, vraiment fait que nous définissons. Dans 3 ou 4 ans, quelqu'un d'autre sonne. Kédou ken dotul ñaanati té man lima gëna metti té ji bo xolé kédou ñun ñëpp ay gor lañ ay doomu gor lañ may gor liko gëna metti li gëna jafé ci gor moy mu sonu ñaan ño naan mayma xolé ni mu metté ci ñu bo gisé kédou sax du avancé lool motax parce que souvent dañu fiar ci li ñu doon bo duñu dem di gis ni ah sa way té dé xawma limay lékké jox su lo duñ koy roussé mais lenn li da ko galan ko parce que situation yi xamanteni mo xew ci dëkk moy orphelin bi yeneen ak yeneen. Puis là, puis là, et pour nous mouiller, il faut que nous parce qu'avant, nous avons dit que et dem ci banque bi dem jël xaliss lepp comme tout le monde ñoo dem lebi ci banque engrais biñu leen di jox légui ni xam leen ni engrais wu dañ ko lepp di leen ko jox mais lool yëpp c'est pour que tay ji ñu won leen ñom que ni on peut bien dépasser ça député ñu japp ci kenen ñu japp pour que ñu mëna dem rek pour ñu am débat